caissier. Et dans la course de Max Gradel. Ouverture du score, ça fait un but à zéro. La spontanéité dans le geste de Max Gradel. Caissier pour la passe. Et l'attaquant du TFC pour conclure. Avec Bakayoko pour Max Gradel. Précis techniquement là, à cet endroit du terrain et la frappe. Oh, c'est Redier pour la frappe là. C'est Redier qui met tout le monde d'accord sur cette tentative longue distance. 35 mètres du but. L'éclair de Redier qui permet à la Côte d'Ivoire de se. Qui a fait preuve un peu trop de facilité. Bowo qui s'est manqué là sur cette relance. Ça peut profiter à Kamatuka. Kamatuka pour le 2-1. Oh, Bowo là qui s'est troué. Sur cette relance, Penax à rater, intercepté. Boni, Maxwell Cornet, c'est bien fait là, Cornet pour Caissier. Caissier qui se rapproche, le décalage pour Zaha, nouvelle possibilité pour lui. Et ouais, Wilfried Zaha pour le 3-1. La force encore, Penax a transpercé Lloyd Kazapoua. Et là, cette fois-ci, on peut le dire, la Côte d'Ivoire. Et le Mali et l'Angola seront opposés. Il a gravé le score, les éléphants, avec Caissier, l'appel croisé de Wilfried Zaha. Caissier qui revient avec Cornet. Du pied droit, s'il vous plaît, Maxwell Cornet pour le 4-1. C'est décidément la mode d'utiliser la force.